moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Mon Dieu! Les Allemands ne pourront plus communiquer entre eux. Ils sont tous morts. J'arrive trop tard. On peut jamais s'enlever cette pensée de l'esprit. Ils ont placé un barrage. Surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Il y a une patrouille là-bas. Da drüben! Attacke!
barrage droit devant, avec des gardes allemands. Faut pas que les patrouilles allemandes les voient. Essayez de communiquer maintenant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. On s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant.
canon suivant. En avant. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas pas en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc... Quel est le dernier endroit où ils s'attendent à nous voir? Thank you.
Français n'arrivent pas à battre ces fâches, Miag. Ni même à s'approcher de leur QG. Et c'est toi qui vas prendre le château tout seul? Imagine leur tête si on arrivait à se faufiler par arrière et qu'on le capture. Ce sera quelque chose à raconter à nos enfants, Idrissa. Surtout toi qui es très vieux maintenant. À leurs yeux, on passera pour des rois? Tiens, petit frère. Ça me plaît bien ce que tu dis là.